au bord du lac ici coule. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. C'est dans une nature plein cadre, idyllique, calme et parfaite, que le Kyrgyzstan vous accueille pour la deuxième édition des Jeux équestres mondiaux. Je viens de descendre de mon cheval après avoir traversé les contreforts de l'Himalaya pour arriver directement au nouvel hippodrome. Enfin, directement, c'est un grand mot parce que... Davaï, parce qu'en fait, c'est une pagaille indescriptible qu'ici, les abords de cet hippodrome. Nous en sommes à 3 km. How are you? Fine. Spasiba, Bolshoï. Race course. Atmedan, ça veut dire hippodrome en kirghiz. Et nous voici ici avec avec des généraux en costume qui sont là avec des chapeaux, des casques de guerre et des médailles militaires qui font un petit peu peur. Voilà. Ah bah là, ils sont tous merveilleusement habillés pour aller voir. Ah oui, ils sont habillés parce qu'en fait, il y a 40 chefs d'État ce soir lors de la cérémonie d'ouverture. 40 chefs d'État, dont des superstars, Ramzan Kadyrov, le président de Turkménistan, Vladimir Poutine, enfin que des gens d'excellente réputation. On y va, enfin, on espère qu'on y va. Bon, alors on va vous la faire courte, hein, parce que nous, les danseuses et les joueurs du ukulélé, on s'en bat un petit peu les steaks. Non, ce que tout le monde attendait ici, c'est la présentation des délégations. Un spectacle quand même grandiose, dont on a raté la moitié. Pourquoi ? Parce qu'on a mis dans cet esprit de pagaille considérable 1h30 à rentrer sur l'hippodrome. Malheureusement, nous n'avions pas avec nous l'homme qui aurait réglé la situation d'un coup de taekwondo. C'est l'invité surprise, l'invité vedette, Steven Seagal. Et oui, le mythique Steven Seagal. 6 femmes, 6 enfants, un citoyen serbe aujourd'hui qui s'est présenté à cheval, aussi à l'aise à cheval que François Hollande sur un scooter. Et puis après, bah, en fait, avec tous les présidents autour, il envoyait plutôt des textos à toutes ses maîtresses. En tout cas, ce que les gens attendent ici, c'est la présentation des délégations. Alors, nous avons une délégation ouzbèque qui n'a pas de candidat. Et c'est assez étonnant, mais effectivement, il y a eu quelques autres délégations un peu loufoques, notamment cette délégation islandaise qui n'est composée d'un athlète absolument pas blond et qui faisait 2 mètres. Non, mais d'un tout petit chinois qu'ils ont trouvé je ne sais où dans un restaurant. Oh, puis il y a aussi la France, ils n'étaient pas au programme. Il y a aussi la France, ils sont là, on ne sait pas qui c'est formidable. Ouais, non, mais je vous inquiétez pas. Allez la France ! Allez la France ! Allez la France ! Allez la France ! Mais évidemment, ce que tout le monde attend, c'est que les 10 000 personnes qui sont chauds comme des braises ici, regardez tout autour de moi, avec la presse internationale, avec des gens qui viennent des pays qu'on ne connaît pas également, eh bien, c'est la délégation kirghize. Le Kyrgyzstan, pauvre, inconnu, enclavé, mais lors de ces jeux nomades, au sommet du monde.